Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir les 5 erreurs majeures que je vois sur Pinterest en termes d'organique, en termes d'SEO, de référencement. Je vais vous montrer les différentes erreurs que je vois la majorité du temps sur un grand nombre de comptes afin que vous ne les répliquiez pas sur votre propre compte Pinterest. Donc qui suis-je pour vous parler de Pinterest et de la partie organique de Pinterest? Donc je m'appelle Luc Bermond, je suis fondateur de Peanuts Consulting, une agence pour laquelle on accompagne des marques e-commerce à scaler uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Donc on a la partie organique et la partie publicitaire et justement on a détecté plein de choses qui font qu'un compte fonctionne ou pas et je vais vous partager quelques éléments dans cette vidéo qui vont vous permettre d'éviter ces erreurs que font la majorité des comptes. Donc allez, c'est parti, maintenant que cette petite présentation a été faite, on va commencer directement par la première erreur que je vois sur les comptes et surtout dans la manière d'aborder Pinterest. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent en SEO sur Pinterest, qui veulent bien se référencer dans les premières positions de Pinterest, mais qui n'ont pas de plan clair sur les mots-clés sur lesquels ils veulent se positionner. Donc ça, c'est très important. Avant de mettre en place des actions sur Pinterest, il faut vraiment faire une analyse de mots-clés en profondeur. Et c'est ça vraiment qui va vous permettre de vous positionner en première position parce que vous allez avoir de la clarté sur les mots-clés pour lesquels vous allez mettre en titre, en description, sur les images. Et comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de clarté et ça vous permettra vraiment d'avoir une meilleure optimisation, que ce soit donc sur la partie images de Pinterest, branding au global, mais aussi sur les pages de redirection. Donc c'est très important de faire une analyse de mots-clés, savoir sur tel ou tel mot-clé si on a de l'attraction ou non. C'est très important de voir ça afin de ne pas publier sans cesse des épingles, mais au final sur les mauvais mots-clés sur lesquels il y a très peu de traction. Donc vous pouvez voir ça directement sur Pinterest Trends. Vous avez déjà un aperçu des tendances qui émergent sur Pinterest. Donc si vous voyez votre tendance, votre thématique dans ces tendances, normalement vous devriez pas trop avoir de chance de vous planter à ce niveau-là. Mais globalement, ce qu'il faut que vous fassiez surtout, c'est vraiment analyser s'il y a des concurrents, qu'est-ce qu'ils font, s'il y a des mots-clés pertinents, que ce soit sur le marché US, sur d'autres marchés, ou bien sur le marché européen directement. Et c'est très important de faire ça, parce que sinon, vous avez de très grandes chances de partir droit dans le mur. Le second point très important sur Pinterest, donc Pinterest, on est sur un moteur de recherche visuelle où les personnes recherchent des nouvelles idées, de l'inspiration, c'est très important de le comprendre. Et donc, si vous avez un mauvais branding, donc qu'est-ce que j'entends par mauvais branding? Donc des tableaux pas optimisés, avec une mauvaise description, pas forcément de hashtag, pas forcément de mots-clés bien précis sur lesquels vous souhaitez ranker sur Pinterest, directement vous partez également vraiment droit dans le mur. C'est vraiment ça qu'il faut éviter. C'est vraiment d'avoir un beau branding avec de belles images, de belles créas, quelque chose qui donne envie vraiment aux utilisateurs de les emmener dans votre univers. Donc c'est très important. Il y a vraiment cette notion sur Pinterest d'univers où votre but en tant que marque e-commerce, blog ou si vous faites de l'affiliation, c'est vraiment de transporter les utilisateurs dans votre propre univers. Et au plus ils vont se sentir dans leur espace, au mieux ça sera pour eux en termes de navigation et surtout afin de vous reconnaître en un coup d'œil. Donc c'est pour ça, par exemple, si je prends l'exemple de Sephora. Sephora, c'est un compte où il y a énormément d'épingles qui sont roses pour vraiment refaire ressortir le branding. Donc ils ont un branding puissant et ils le montrent clairement. Et c'est vraiment ça qu'il faut chercher sur Pinterest parce qu'on est sur un moteur de recherche visuel. Donc au plus vous arrivez à incorporer votre branding sur votre compte, au mieux ça va fonctionner. Donc c'est très important de prendre en compte cet élément. La troisième erreur, et celle-là c'est l'une des erreurs majeures que la majorité des personnes font sur Pinterest. Donc il y a plein de personnes qui se disent « Ok, je me lance sur Pinterest ». Donc je vais publier toutes mes épingles, donc au final, toutes les images que j'ai sur mon site, je vais les balancer sur Pinterest directement et peut-être que ça va faire du reach. Donc ça, c'est la meilleure chose à faire pour ne pas ranker et justement pas avoir de perf sur Pinterest. Donc c'est très important d'optimiser ces images, donc par exemple mettre votre logo sur votre image, une bonne headline, ça va vraiment faire la différence, et d'optimiser aussi le titre et la description et le lien de redirection. Donc il y a vraiment ces éléments là à optimiser. Donc ça passe par l'erreur numéro 1 que je vous ai présenté, vraiment faire l'analyse de mots clés, qu'est-ce qui fonctionne sur Pinterest, et à partir de là vous faites votre plan. Ok, en termes de titre je veux ça, description je veux ça, et derrière ça va vous permettre justement d'avoir un maximum de chances pour vous positionner en première position sur Pinterest. Et il faut savoir également que quand vous êtes en première position sur Pinterest, vous avez également beaucoup de chances d'être bien positionné sur Google. Donc ça aide le référencement au global, il faut le savoir. Donc vraiment optimiser vos images, vos titres, vos descriptions, et pensez aussi à varier vos liens de redirection, c'est aussi important. Mais avec ces quatre éléments, normalement, vous devriez déjà passer au-delà des 95%
des comptes au final qui n'optimisent pas bien un des trois éléments ou bien les trois éléments en même temps, ça arrive parfois. La quatrième erreur que je vois sur Pinterest, et ça c'est vraiment les personnes qui connaissent pas la plateforme qui font beaucoup cette erreur, c'est de ne pas utiliser de planificateur d'épingle. Donc il y a beaucoup de personnes, on reprend l'idée justement, par exemple vous avez une marque e-commerce, vous dites bon ok j'aimerais bien me positionner sur Pinterest, mais ce que je vais faire, je vais balancer toutes mes images sur mon compte Pinterest. Mais c'est une très mauvaise approche à avoir. Il faut vraiment utiliser un planificateur d'épingle afin de publier de manière régulière en continu sur votre compte Pinterest. C'est très important parce que si vous mettez toutes vos images d'un coup, ce qui va se passer, c'est que Pinterest va vous attribuer du reach vraiment sur le court terme, mais un reach vraiment moins important que si vous lissez votre contenu le temps que l'algorithme incorpore au fur et à mesure les différentes images. Et c'est la meilleure méthode pour avoir la performance sur Pinterest d'utiliser un planificateur d'épingle. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps sur votre publication, sur la programmation de votre publication sur le long terme, et surtout d'avoir un flux continu d'épingle qui se publie tous les jours de manière régulière. Donc c'est très important d'utiliser un planificateur d'épingle. Nous on utilise par exemple dans notre agence Tailwind, Tailwind, T-A-I-L-W-I-N-D, donc c'est un logiciel qui nous permet justement de planifier les épingles de manière continue, et ça c'est pas pénalisé du tout par Pinterest, et c'est très important d'utiliser un logiciel comme ça. Et Tailwind, c'est le logiciel qui est vraiment fait pour Pinterest. Si vous souhaitez l'utiliser, je mettrai le lien dans la description, comme ça vous allez pouvoir y jeter un coup d'œil. Et la dernière erreur, donc si vous faites cette erreur, les autres points sont pas forcément importants parce que ça va vraiment niveler vers le bas votre compte Pinterest. C'est vraiment si vous ne comprenez pas l'audience de Pinterest et l'audience que vous souhaitez cibler, donc vraiment faire le parcours utilisateur, vraiment se mettre à la place de vos prospects, derrière ça va vraiment vous aider à justement faire des épingles de qualité, vraiment dans cette phase d'inspiration où les personnes recherchent de nouvelles idées, cherchent à améliorer leur lifestyle. Donc c'est vraiment le premier point à prendre en compte, c'est de comprendre la demande des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement sur Pinterest, pourquoi ils naviguent sur la plateforme. Donc vraiment bien comprendre la plateforme. Donc ça passe par scroller Pinterest et être clairement un utilisateur lambda avant de vouloir publier, pour bien comprendre la demande des utilisateurs. Donc moi, à titre de comparaison, pour l'agence, ce qu'on fait, je passe une heure par semaine au minimum à scroller Pinterest, à identifier qu'est-ce qui fonctionne sur la plateforme, pourquoi telle ou telle créa m'a attiré, et derrière également penser à toute la partie lien de redirection, parce que Pinterest est un moteur de recherche visuelle. Derrière chaque image, on a un lien de redirection et il faut que le parcours utilisateur soit très fluide entre quand la personne clique sur votre image, va sur le lien de redirection. Il faut que on soit vraiment dans le même mood, et ça permettra aux utilisateurs de rester plus longtemps sur votre site web. Donc il faut vraiment bien comprendre vos utilisateurs afin de répondre à leurs demandes et qu'ils passent plus de temps sur votre site web, et derrière donc achètent plus de produits de votre marque ou passent plus de temps sur votre blog. Et s'ils passent plus de temps sur votre blog, derrière Pinterest va le comprendre, parce que Pinterest analyse votre page de redirection en termes de mots-clés, en termes de temps de session. Donc ça, si Pinterest le comprend, ça va aider le référencement de vos épingles sur Pinterest. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et que vous n'allez plus faire ces mêmes erreurs sur Pinterest. Dites-moi quelle erreur en commentaire vous faites le plus, s'il y en a plusieurs également. Mais voilà, c'est des points très importants, et si vous arrivez à ne pas faire ces erreurs-là, vous passez déjà devant plus de 90% des comptes Pinterest et des personnes qui publient ou des marques qui publient sur Pinterest. Donc je vous invite vraiment à y porter attention si vous voulez avoir de la croissance sur Pinterest dans les prochaines semaines. Également, si vous avez apprécié cette vidéo YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit like. La semaine prochaine, je sortirai une vidéo avec les 5 erreurs sur Pinterest Ads que la majorité des personnes font. Donc je vous invite à patienter jusqu'à la semaine prochaine. Si vous regardez cette vidéo après, je mettrai le lien également en description. Donc c'était Luc, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest SEO ou Pinterest Ads. C'était Luc, ciao ciao.